Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Shaolin Shuffle. Donc c'est un glitch qui consiste à faire le chi en ultime. Mais c'est une exclusivité française, car on va pas devoir se prendre la tête avec les boissons. Il n'y a pas de question de timing avec ce glitch. Parce que voilà, c'est une exclusivité française. Ça n'a pas été trouvé par les Anglais. Donc ça a été trouvé par, par Donovan. Donc un de mes donateurs, un de mes abonnés. Un type super extra, franchement super sympa. Et très généreux en plus. Il a carrément annulé son rendez-vous pour m'expliquer ce glitch là. Et que je fasse l'exclusivité aujourd'hui. Depuis hier, il essaie de me contacter pour me le dire. Donc voilà. Alors pour le remercier, s'il vous plaît, ça vous prendra même pas 10 secondes de votre vie, c'est totalement gratuit et ça ferait extrêmement plaisir que vous mettiez un petit hashtag dans les commentaires, hashtag merci Donovan, ou merci Dono, ou merci tout ce que vous voulez, ou hashtag merci tout simplement, ça ferait super plaisir. Voilà, merci à tous ceux qui le feront, et voilà. Alors, deuxième petite information personnelle, c'est que je tiens à vous dire que j'ai passé une nuit blanche, donc... Si je fais beaucoup de ou que je suis un peu moins motivé ou que voilà je me trompe sur certaines choses, soyez indulgents parce que voilà j'ai pas dormi de la nuit tout simplement pour pouvoir me aller dormir tôt aujourd'hui et me réveiller à tôt demain à 6h du matin quoi pour le DLC 5 de Black Ops 3 et vous proposer du lourd. Donc voilà tout simplement. Alors on va passer au glitch tout de suite hein. Première chose à faire c'est de passer la manche 4 et aller chercher votre chi donc à la manche 5 parler au sensei et prendre votre chi que vous voulez en illimité. Donc vous prenez celui que vous voulez, ça fonctionne avec tous. Donc on va prendre celui-là. Enfin moi je prends le dragon parce que je vais sûrement faire une vidéo après avec le dragon. Donc voilà. Alors ensuite ben, vous enclenchez, vous faites flèche de droite et vous faites 15 kills au corps à corps. Si vous voulez vous pouvez monter sur le bus. Vous aurez plus facile et ce sera moins risqué. Comme les zombies mettent du temps à monter sur les bus, ça les ralentit et vous avez plus de... Enfin, voilà, vous avez plus facile. Voilà. Quand vous avez fini vos shurikens, soit vous continuez à faire les shurikens comme à l'ancienne, hein, donc vous les tuez de près, hein, de préférence pour pas que la jauge de votre chi s'use. Ou alors, nouvelle technique, et là je fais une grosse dédicace à Oxydateur. L'oxydé. Voilà, vous mettez dans le coin ici. Donc dédicace à Oxydateur l'oxydé car il a posté cette vidéo il y a plus d'une semaine sur sa chaîne YouTube. Et voilà, il a mis notre exclu. Donc je mettrai son lien en description de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller vous abonner, à aller liker sa vidéo. Franchement, ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà. Alors regardez, quand vous avez votre shuriken et que vous devez faire votre shuriken, au lieu de le faire dehors et prendre des risques, vous pouvez venir ici au calme, tranquillement. Et là, regardez, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Hein. Si je lance un shuriken là maintenant tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'user ma jauge. Par contre, ma jauge de chi. Par contre, regardez, je vais appuyer sur X et shuriken. Pourquoi je dis shuriken? C'est shuriken, putain de merde. Bref, je vais sauter et je vais appuyer sur mes shuriken en même temps. Et je vais viser vers le bas et regardez, ça va tuer le zombie. Donc là, j'ai appuyé sur mes shuriken après avoir sauté. Il faut vraiment appuyer sur les deux en même temps. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, ça les tue. Un par un en plus. Donc là, vous faites vos 25 kills et vous en laissez un obligatoire. Hein. Et n'oubliez pas d'acheter Quick Revive avant d'aller dans le glitch. Vous allez voir pourquoi. Donc là, bah, c'est la manche des rollers. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous mettez ici, vous chargez votre shuriken. Tout simplement, et vous les tirez quand ils sont 3-4. Hein. Hop, voilà. Et faites bien attention de ne pas tuer un dernier quoi, il faut vraiment en laisser un dernier, sinon le glitch ne fonctionnera pas, c'est très important. Voilà, faites flèche de droite pour récupérer votre jauge, hein. Comme ça c'est mieux, c'est au cas où. Voilà, maintenant que la manche est passée, vous allez pouvoir récupérer votre jauge complète. Donc là vous remettez tout simplement dans le glitch, un autre petit coin ici. Et vous attendez que les zombies viennent. Donc voilà, quand il m'en reste un, il faut... vider sa jauge, ok. On va vider sa jauge à ça. Regardez ce qui me reste, c'est parfait, ok. Alors ensuite, même si vous laissez plus, c'est pas grave. Hein. Ensuite, vous allez sauter et faire votre dernier kill. Ensuite, il vous restera de la jauge parce que tout simplement vous le tuez corps à corps.
Donc il va falloir ne plus sauter. Donc vous sautez une fois, vous faites votre dernier kill. Et puis vous spammez la touche Shuriken. Ok. Ensuite, le dragon, donc la jauge du dragon va disparaître. Et vous allez récupérer votre arme, enfin votre carte de... le petit diable, avec vos grenades. Et juste à côté des grenades, vous aurez le pouvoir du L1 illimité. Vous avez le temps de le voir. Dès que vous le voyez, uniquement quand vous le voyez, vous vous suicidez en fonçant dans le tas. C'est pour ça qu'il vous fallait Quick Revive. Si vous êtes en multi, il va falloir faire la même manipulation, mais la personne qui va vous réanimer devra vous réanimer assez rapidement, donc dans les 5 secondes qui suivent. Ça, c'est pour la première réanimation. La deuxième réanimation, pour le ultime, il aura tout le temps qu'il veut pour vous réanimer, ok? Donc, vous avez compris, il va falloir mourir 2 fois. Mais bon, après ça, on s'en fout, hein. Les dômes, on s'en fout, c'est surtout pour le chi illimité. Faire le secret, c'est super bien avec le chi illimité. Et faire des clés, c'est pareil. Donc là, je vais sauter, je vais faire mon dernier kill et je vais spammer la touche R1 pour les shurikens, ok? C'est parti. Hop, je spam. Là, je meurs. Ok, dès que vous voyez vos grenades, vous mourrez. Ensuite, vous allez tout simplement, vous sortez de la salle de réanimation, vous récupérez vos armes. Et regardez, maintenant j'ai le chi L1 en illimité. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire vos 50 kills. Parce que moi je suis avec le dragon, donc c'est 50 kills. Si vous êtes avec la grue, ce sera 40 kills. Donc il va falloir faire 50 kills ou 40 kills avec votre chi niveau 1, niveau 2. Pour atteindre le niveau 3, et après le niveau 3, je vais vous expliquer ce qu'il faudra faire. Donc là, je vais tuer tous mes kills avec mon L1. A tout de suite. Si je vous ai dit de vous mettre là, c'est tout simplement parce que vous ne risquez rien en vous mettant ainsi. Parce que les zombies ne viendront que d'en face et ne viendront pas de là. Donc, sauf si vous vous approchez trop de là, là, ils viendront de là. Mais voilà, si vous restez ici, les zombies ne viendront que d'en face et vous n'auront pas le temps de vous approcher. Peut-être à la manche 20, 30, ils vous approchent parce qu'ils courent comme des oufs. Mais bon, vous prenez Masto et puis voilà, vous êtes tranquille. Hein. Vous pouvez faire ça en faisant des manches illimitées. Hein. Vous pouvez vous arrêter là. Hein. Mais bon, moi, le tuto, c'est le chi ultime. Donc, je vais continuer. Je vais vous présenter le reste, la suite. Je rappelle que pour ceux qui ont un strike pack, la vie, c'est facile. Hein. Donc voilà, juste pour vous rappeler que si vous avez un strike pack, vous faites ça en illimité. Hein. Vous activez votre bouton 2.0, vous réglez la manette sur le L1 et puis bam, vous faites ça en illimité, vous mettez un élastique et vous allez vous balader, vous allez profiter du temps dehors et vous gagnez des clés en illimité facilement sans rien faire. Donc voilà, c'est une information supplémentaire. Voilà, là j'ai fini mon dragon, vous voyez, je suis niveau 3. Donc là, impérativement, prenez votre chi, ok? Après vous allez dans le glitch, ok? Donc moi je vais le faire en solo. Donc qu'est-ce que je dois faire en solo? Activez la carte résurrection, tout simplement. Oh, ce que vous faites là. Et ça c'est incroyable ça. En pleine vidéo, faut qu'il m'arrive une couille quoi. Hein, vous voyez ça? Ça c'est franchement incroyable. Donc là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ben, je vais devoir aller acheter tout simplement un nouveau jeu de cartes. Donc je vais remplir mon spécialiste et je vous dis à tout de suite. Voilà. J'ai récupéré ma carte résurrection, donc je vais l'activer tout de suite. Hein. Oh là là, faut pas que je tue une dernière zombie. Hop, on l'active, voilà, nickel. Maintenant, on va dans le glitch. Donc ça, c'est pour ceux qui le font en solo. Il vous faudra une carte résurrection obligatoire. Par contre, pour ceux qui veulent le faire sans la carte résurrection, ben c'est tout simple. Vous vous mettez ici, vous attendez que tous les zombies viennent sur vous. Vous faites star, triangle, ami, joueur récent, n'importe. Et vous invitez votre pote à rejoindre la partie, tout simplement. Alors, quand votre pote va rejoindre la partie, ce que vous allez devoir faire, c'est la même chose que moi. Sauf que lui va vous réanimer et il a largement le temps. Il a 30 secondes, il peut vous réanimer 30 secondes après. Mais bon, je vous conseille quand même d'évacuer un peu tout le monde qu'il y aura devant vous. Hein. Et ces deux zombies, c'est très bien. Comme ça, il pourra même passer la manche et ça vous réanimera. Et comme ça, vous aurez le chi en ultime en illimité. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit juste de sortir votre grenade, faire flèche de droite, lancer votre grenade, shuriken, tout ce que vous voulez. Ok? Vous lancez votre truc. Et après, dès que le symbole apparaît, donc dès que le signe du dragon ou de la grue, bref, dès qu'il apparaît, vous vous tuez. Et puis votre pote vous réanime. Et là, vous avez le chi en ultime. Donc moi, j'ai pas de pote. Donc, j'utilise ma carte résurrection.
Voilà, c'est une grenade. Donc, je vais quand même essayer de la lancer quelque part où elle va pas me retomber dessus, quoi. Donc voilà, je vais là, voilà, hop, flèche de droite, je lance la grenade, elle me retombe dessus, je la relance, ta mère. Voilà, j'ai le truc, je me laisse tuer. Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. Voilà, je me fais réanimer. Alors là, c'est le bordel. Hein. Mais bon, de toute façon, ça marche, vous avez un laps de temps énorme. Donc voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Regardez, mon chi, je l'ai bien en illimité. J'ai carrément, j'ai mon chi comme ça. Et j'ai mes shurikens. Et j'ai mon chi ultime en illimité. J'ai tout en illimité, les potos. Donc voilà, c'est une exclusivité française qui vient de Donovan lui-même. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un hashtag merci Donovan dans les commentaires. Ça vous prendra que dalle de votre temps et ça fera extrêmement plaisir. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager un maximum cette vidéo, même aux Anglais, pour voir un peu s'ils vont nous référencer dans leur description comme nous on le fait. Hein, on va bien voir. Et voilà, moi, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, hein, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, même si je réponds pas toujours. C'est difficile de cumuler YouTube, Facebook, femme, potes, famille, etc. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace. Yummy, bruh.